grand-père. Papy, tu te rappelles quand tu venais me chercher à l'école tous les mercredis? Tu m'emmenais toujours faire du carrousel au centre-ville. Pour finir la journée, tu m'achetais toujours une glace vanille pistache. Quel bon vieux temps. Mais tout ça s'est terminé le jour où on a appris ton cancer. Maman était sous le choc. Moi, je ne réalisais pas encore. Maintenant, ça fait 2 mois que tu es à l'hôpital. Et ils ont appelé pour nous dire que ta situation s'aggrave. On est parti le plus vite possible. Quand je suis arrivé devant ta porte, je me suis arrêté. J'ai hésité à rentrer. Je t'ai vu sur ton lit. Je ne te reconnaissais plus. Tu n'avais plus de cheveux. Tu avais maigri. Tu étais faible. Je me souviens. Je me souviens de ton dernier jour. Il faisait beau. Un grand soleil. On était dans la chambre. Tu me racontais toutes tes histoires folles. Comme le jour où tu t'es échappé de la voiture d'un policier. Tu m'avais dit que t'avais volé dans un magasin. Et le plus drôle, c'était que le policier, c'était ton voisin. Et tu m'en racontais encore bien d'autres. Quelques heures plus tard, tu nous disais que tu allais bientôt partir. On voulait pas y croire. Tes derniers mots ont été « Je vous aime ». Et tu as fermé les yeux pour la dernière fois. Au moment où j'écris cette lettre, ça va faire 3 ans que tu es parti. Chaque jour qui passe, je pense à toi. Et je commence à verser des larmes. Et puis je me souviens, je repense à toutes les folles journées qu'on a eues. Toutes ces journées passées tous les deux. J'espère que tu te sens bien et que tu ne souffres plus dans ton paradis à toi. On t'aime.